Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis vers un nouveau monde pour cette saison 4. On va voir d'ici quelques instants qui va me rejoindre et où surtout nous allons poser notre aéronef. La réponse dans quelques instants. Et nous sommes aujourd'hui en Loire-Atlantique. Et on va voir d'ici quelques instants qui va me rejoindre dans l'aéronef. Je vous conduis, c'est maintenant, c'est parti. Bonjour Bénédicte Pléau. Bonjour Jean-Charles. Installez-vous, on est ravis de vous avoir avec nous. On va décoller vers la planète Energigit. Vous allez nous expliquer un peu quel est le métier de l'entreprise. On va aussi parler de vous, de votre parcours. Quand j'ai préparé notre rencontre, je suis allé sur votre site internet, comme je fais à chaque fois pour prendre des infos, et j'ai vu un mot que je ne connaissais pas, l'effacement électrique. Donc j'ai vu Energigit, opérateur d'effacement électrique. Comment on explique ce métier ? Alors l'effacement électrique, c'est le fait de diminuer sa consommation d'électricité sur une demande du réseau pour aider le réseau électrique en fait à s'équilibrer entre production et consommation. Okay. On a des périodes en fait où il y a trop de consommateurs par rapport à la production, on ne stocke pas l'électricité et donc on va utiliser des consommateurs qui le peuvent pour diminuer la puissance soutirée de leur site, okay, pour libérer en fait de la puissance pour les autres utilisateurs, consommateurs du réseau. Ça ne s'adresse uniquement qu'aux entreprises pour le coup ? Alors nous, on s'adresse qu'aux entreprises parce qu'on va chercher des entreprises qui ont quand même une consommation assez importante et qui vont pouvoir générer des flexibilités, des trous de consommation assez conséquentes en fait pour le réseau. Alors dans cette ligne éditoriale de la quatrième saison que je vous conduis, on parle d'un nouveau monde. Là, on y est totalement parce qu'on veut vraiment avoir des bonnes pratiques, faire attention. Vous êtes ingénieur généraliste de métier, Bénédicte. Vous avez travaillé dans les énergies renouvelables et vous avez créé en 2015 Energigit. Le constat, il part d'où ? Qu'est-ce qui vous a dit, tiens, je vais créer ma boîte et surtout, je vais l'appeler Energigit ? Alors, le constat, hein, il part du fait qu'on veut intégrer de plus en plus d'énergies renouvelables sur le réseau électrique qui ont un caractère fatal, qui produisent quand la ressource est là, quand il y a du vent, quand il y a du soleil. Et donc, on doit amener des flexibilités au réseau pour lui permettre de fonctionner, pour équilibrer production et consommation. Donc c'est vraiment un besoin du réseau de se transformer, d'amener ses flexibilités de consommation si on veut passer à un mix électrique plus décarboné et plus imprégné d'énergie renouvelable. Vous œuvrez sur toute la France ou que sur Nantes ? Non, on est vraiment en France entière. Okay. On s'adresse à des consommateurs qui sont un petit peu partout sur l'Hexagone. Okay. Est-ce qu'il y a malgré tout une répartition plus dans l'ouest du fait que vous soyez à Nantes ou pas du tout ? Alors historiquement, hein, en 2015-2016, on est surtout allé voir des acteurs de l'agroalimentaire qui sont plutôt vers chez nous. Okay. Donc effectivement, on a un pied peut-être un peu plus fort voilà, dans l'ouest. Dans la grande région ouest, on va dire. Voilà, tout à fait. Vous parlez de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, vos clients, donc il y a ces acteurs-là, mais il y a, j'imagine, aussi toutes les grosses industries. Oui, tout à fait. C'est vraiment tout type d'industriel qui peut être concerné par le sujet. Petit, moyen consommateur d'électricité. Bon, il faut avoir quand même une puissance installée qui est quand même assez... Oui, donc il y a un prérequis, il y a un minimum requis. Minimum, on ne peut pas vraiment dire, mais pour que ce soit intéressant pour l'industriel et pour le réseau, nous, on va s'adresser à des consommateurs d'une puissance souscrite supérieure à 100 kW, 250 kW, voilà. Et alors que la moyenne dans les entreprises aujourd'hui de souscription, c'est quoi ? On ne peut pas tracer vraiment de moyenne parce que selon les activités, on a vraiment de tout, donc ce serait difficile de parler d'une moyenne en fait. Ok, on parle beaucoup effectivement des énergies renouvelables, des efforts qu'on doit faire tous. Aujourd'hui, comment il est ce marché du réseau électrique en France ? Bon, il est quand même plutôt mature, il y a beaucoup de choses se mettent en place, on a encore des enjeux énormes pour arriver à nos objectifs, mais il est quand même assez mature et puis il est assez décarboné en France. Donc voilà, on a encore des centrales thermiques qui fonctionnent et nos solutions visent aussi à leur permettre de fermer pour décarboner encore plus le mix, mais on est quand même assez mature sur le sujet. Si on se compare avec nos voisins européens, je pense à l'Espagne, je pense à l'Allemagne ou même la Belgique, on est de bons élèves et
on a la moyenne, on est un peu plus au-dessus. Ça dépend sur quels critères. Moi, je pense qu'on est plutôt bons élèves, ouais. Mais ça dépend sur quels critères. Et puis, historiquement, on n'a pas tous fait les mêmes choix. Donc forcément, on ne part pas tous du même, même moment. Ouais. Et voilà, et ce n'est pas parce qu'on a un mix électrique décarboné en France qu'on doit s'arrêter là. Et on a aussi des efforts à faire. Alors, vous mettez sur votre site que l'objectif de votre solution, elle est d'améliorer la compétitivité et la performance énergétique et environnementale. Est-ce que vous qui côtoyez ces entreprises au quotidien, qui sont vos clients, vous sentez que de plus en plus, ça devient quand même hyper important pour elles? C'est un enjeu très très fort pour les industriels. C'est aujourd'hui, c'est pas que de la com, quoi. Ah non, c'est pas que de la com, c'est à tout niveau. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, pour eux, ça leur permet d'optimiser, on va dire, leur coût énergétique, de gagner en compétitivité. Mais ils ont aussi extrêmement à cœur de participer à la transition énergétique, d'améliorer leur méthode et leur process par rapport à ça. C'est un vrai enjeu aujourd'hui. Et non, c'est pas ou plus que de la com, ouais, c'est clair. Alors, vous mettez également que ça peut être le fait d'avoir cette stratégie d'effacement de consommation ou électrique, ça peut être une source de revenus supplémentaires pour l'entreprise. Oui, c'est ça. Comment ça se traduit, du coup? En fait, c'est l'économie qui se transforme en revenu pour faire autre chose? Non, alors, c'est pas une économie en tant que telle. Hein. C'est vraiment au moment où ils se rendent flexibles, où ils vont diminuer leur consommation d'électricité, on va les rémunérer pour ça, parce que ça va permettre au réseau de ne pas démarrer de la production supplémentaire. Et donc, toute cette valeur qui est de créer ce creux de puissance, ben, c'est vraiment la même valeur que d'aller créer de la puissance supplémentaire sur le réseau. Donc on est capable de les rémunérer pour se consommer mieux, se consommer au bon moment. Je schématise, je vais vulgariser même, je suis un industriel, j'ai ma ligne de production, je fais des barquettes, peu importe, en plastique. Mmh. Sur une tranche horaire, je vais arrêter de produire pour arrêter ma consommation. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est ce temps, si j'arrête pendant deux heures ou trois heures, c'est ce temps-là qui me constitue du coup un revenu. Voilà, tout à fait. Alors après, on module en fait l'engagement que vous prendriez sur votre production. Par exemple, vous n'allez pas forcément arrêter toute la ligne. Peut-être que vous allez arrêter juste un process énergivore, mais continuer à travailler par ailleurs sur d'autres moments en fait de la ligne de fabrication. Ouais. Et vous allez pouvoir le faire parce que vous allez jouer sur vos stocks intermédiaires. Sur la flexibilité en fait de votre process, mais on va pas forcément tout couper, on va pas couper toute l'usine. Ça va vous permettre de produire votre produit et de le vendre comme prévu, mais simplement de décaler en fait votre consommation au bon moment. Voilà. Ça veut dire qu'une entreprise, quand elle est intéressée par votre solution, il y a de votre côté toute une étude qui est faite avec une vraie étude ou analyse du retour sur coupure, on va dire. Ouais, tout à fait. En amont, en fait, des projets, il y a toute une étude sur la consommation des sites, ce qu'on appelle la courbe de charge, hein, donc la manière dont le site consomme dans le temps, sur une journée, sur une année, et puis l'analyse du process, de ce qui est justement effaçable, flexible, quels sont les impacts aussi que ça aurait sur la production du client, et puis économiquement, faut que ça vaille le coup entre guillemets pour le client, parce qu'il faut que ça puisse compenser d'éventuelles pertes aussi. Ça veut dire que des fois, il y a des clients ou des prospects qui font appel à vous et ça ne va pas au bout parce que justement, ce n'est pas assez avantageux. Oui, tout à fait. Okay. Et d'ailleurs, on voit que petit à petit, avec la maturité sur ces sujets des industriels et puis avec la valeur aussi de ces délestages, donc le fait qu'on puisse les rémunérer plus, de nouveaux industriels s'y intéressent, alors qu'il y a quelques années, ils étaient encore un peu limites au niveau économique pour pouvoir le faire. Alors, vous parlez de maturité, ça fait la transition et on n'a pas répété, et ça, c'est fort. Vous avez créé, je l'ai dit, l'entreprise en 2015. Comment ça a été accueilli? Ça fera 10 ans l'année prochaine, parce qu'on tourne là, on est en 2024. Ouais. Comment ça a été accueilli à l'époque? Est-ce que les entreprises étaient en manque d'informations? Certaines étaient bien informées? Est-ce qu'on vous a dit, en fait, c'est pas notre sujet? Ah oui, non, je pense qu'au début, en 2015, effectivement, beaucoup d'entreprises ouvraient des grands yeux. Voilà. Effectivement, il y a eu une grosse période, on va dire, de pédagogie auprès des acteurs. Mais je pense que les entreprises ont quand même comprennent vite et puis voient bien aussi leur intérêt, en fait. Hein, donc, Et aujourd'hui, donc, 10 ans plus tard, presque 10 ans plus tard, c'est quoi votre...
la nouvelle difficulté, s'il y en a une dans votre quotidien? Je pense que la nouvelle difficulté, c'est d'aller valoriser toutes les flexibilités. On aimerait pouvoir faire plus pour le réseau électrique. On a quelques barrières au niveau réglementaire qui ne nous permettent pas de tout valoriser. Le réseau aurait intérêt à ce qu'on puisse aller chercher plus, aller un petit peu plus loin sur notre métier. Ça s'adresserait du coup à plus d'entreprises. Donc voilà, on a des petits déverrouillages réglementaires encore qu'on souhaiterait. Uniquement réglementaires ? Réglementaires, surtout, tout à fait. Okay. Et puis les industriels, les entreprises sont de plus en plus en demande de nouveaux services pour piloter au mieux leur consommation. Mais bon, ça, nous, on adore développer notre logiciel et puis apporter plus pour eux. Donc voilà, c'est les nouveaux enjeux pour demain. Alors on parle de logiciel parce que dans Enerdigi, donc Ener pour énergie, Digit pour digital, puisqu'effectivement, tout est piloté avec une application qui s'appelle CAPS. Oui, tout à fait. C'est notre application, on va dire, phare. En fait, il y a plusieurs applications là-dedans. Ouais. L'idée, c'est en premier lieu déjà de piloter les effacements, les flexibilités électriques, donc vraiment avec du suivi en temps réel, mais d'apporter aussi des services aux industriels pour que eux puissent aussi piloter leur consommation, pas que pour faire de la flexibilité, mais aussi pour optimiser leur contrat, pour chasser toute leur consommation, on va dire inutile, leur talon, vérifier qu'il n'y ait pas de problèmes de fuite, de maintenance, etc. Donc voilà, ça leur permet en fait de piloter tout ça. Quand vous avez un client qui signe avec vous, déjà c'est un engagement sur 2, 3, 4 ans, c'est annuel, c'est pluriannuel? Alors sur le principe, c'est annuel et puis les engagements se font selon les modalités commerciales. Donc ça peut être sur 2 ans, 3 ans, voilà. Et vous le voyez, vous les voyez régulièrement ou du coup le fait d'avoir cette application vous permet d'avoir constamment un échange ou d'être en alerte en disant tiens, il y a un souci, de pouvoir être dans l'anticipation? Oui, tout à fait. On a vraiment ce quotidien via l'application. Mais sinon, on les voit très régulièrement, soit pour leur apporter du service, mais évidemment, les outils numériques ne peuvent pas tout faire. Et puis, pour recueillir leurs besoins, pour continuer à faire de la pédagogie sur cette partie flexibilité. Voilà. Je l'ai dit, vous avez créé l'entreprise en 2015. Ingénieur de formation, est-ce que vous aviez pensé toujours créer votre boîte? Oui, je crois que j'ai un peu cette idée. Vous l'aviez en vous, Oui, tout à fait, tout à fait. J'aime le développement de projets, la création d'entreprises. C'est vraiment l'entrepreneuriat est très, a toujours été dans ma tête. Ouais. Vous avez aujourd'hui entre 20 et 25 salariés. Oui. C'est pas mal déjà. Mmh. Ouais. Vous étiez imaginé avoir une équipe de cette taille-là? Bon, peut-être pas. On n'imagine pas tout. Enerdigit se construit marche après marche. Dès qu'on peut apporter plus, on le fait. Et voilà, on a une ambition, on va dire, qui se construit petit à petit. Avec la volonté d'emmener où Enerdigit? Est-ce que c'est dans votre tête ou c'est un seuil de chiffre d'affaires, c'est un seuil d'effectif? Non, pour moi, c'est pas forcément chiffré. Je pense que c'est notre métier, c'est d'apporter des services au réseau, d'apporter de la flexibilité, de permettre cette intégration des énergies renouvelables. Et en fait, dès qu'on peut aller plus loin, on le fait. Dès qu'on est en position de le faire, on va y aller. Et voilà, l'ambition est là, quoi. On a parlé clients, on a parlé salariés. Les pouvoirs publics aujourd'hui sont très attentifs à ça. Est-ce que vous avez des échanges avec eux? Oui, tout à fait. On a des échanges réguliers avec eux. Ils sont porteurs aussi de la réglementation. Ouais. Donc, on est en échange là-dessus. Et ils sont très mobilisés aussi pour développer le sujet. Ouais. J'ai vu que sur le site, il y avait une charte, vous étiez signataire de la charte EcoWatt. Oui. C'est quoi cette charte? Alors, c'est une charte qui a été mise en place, si je dis pas de bêtises, au moment de la crise énergétique. Okay. Qui vise à responsabiliser les entreprises face à leur engagement de sobriété, en fait. Et donc, cette charte, elle dit que sur nos consommations habituelles, on va tous faire un effort. Ouais. Ça permet de mobiliser les équipes aussi là-dessus. C'est gage de qualité pour vous? C'est gage de... Enfin, pas de qualité, mais de sérieux, c'est obligatoire d'avoir ce genre de charte? On est peut-être moins dans l'obligation, mais plus dans l'idée d'être un petit peu ambassadeur. Oui, on a toujours fait attention à nos consommations, on est très impliqué là-dedans, parce que c'est notre métier, et du coup, on le vit aussi chez nous, on va dire au bureau, quoi, enfin, dans l'équipe. Et du coup, le fait de signer cette charte, c'est d'être aussi un peu ambassadeur de ça, on communique dessus, et puis, si ça peut aussi donner des idées, voilà, il faut le communiquer. J'ai vu un terme sur votre site que je ne connaissais pas, c'est les smart grids.
Oui, alors qu'est-ce que c'est? Ça englobe beaucoup de choses. Et ouais. L'idée, c'est de rendre le réseau plus smart, en fait, okay. Plus intelligent, moins centralisé. Donc, c'est tout ce qui va permettre, justement, l'intégration de nouvelles sources de production d'électricité à des mailles plus locales, avec un réseau qui n'est pas surdimensionné, mais qui est dimensionné à son plus juste. Ouais. Voilà, pour permettre moins de gaspillage, plus de d'efficacité, quoi. Et donc, la flexibilité en fait partie. Le consommer mieux en fait partie. On a toujours pour habitude, dans cette nouvelle saison, on part vers un nouveau monde. Vous, Bénédicte, qu'est-ce que vous emmèneriez sur un nouveau monde, en premier? D'emmener dans un nouveau monde. Ouais. Moi, j'emmène ma famille, okay. C'est sûr. Ouais. Okay. Ouais, ouais. C'est une soupape? Oui, ouais. Tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. C'est okay. Un pilier. Ouais, on a aussi pour habitude de... Enfin, moi, j'ai pour habitude de poser toujours la même question. Est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez fait depuis 2015? Oui, je suis fier de ce que j'ai fait, mais je pourrais être encore plus fier demain. C'est ouais. Ce que je me dis aussi. Ouais. Est-ce que c'est facile pour vous de dire que vous êtes fier ou de ce que vous avez fait ou... Ça fait bizarre, en fait. Ah, c'est vrai? Oui, non, ouais. C'est pas forcément évident, mais... Non, mais enfin, je trouve que c'est bien de le dire aussi et de reconnaître que c'est ce que vous avez fait. Ça participe au changement aussi. Non, mais je suis fier de ce qu'on a fait. Toute l'équipe d'Enerdigit, on est mobilisés sur notre mission et j'espère qu'on sera encore plus fiers demain de tout ce qu'on fera aussi demain. Et voilà. Demain... C'est, on l'a dit, c'est un changement réglementaire pour pouvoir accélérer, modifier certaines choses. Qu'est-ce qu'on doit, votre ambition là à 5 ans, au-delà de ce changement réglementaire pour accélérer, ça serait quoi? Notre plan là sur les prochaines années, hein, c'est de vraiment continuer à développer ce sujet flexibilité auprès de consommateurs industriels. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce sujet. Ouais. Et le deuxième axe, c'est le développement du stockage par batterie. Okay. Donc on a lancé avec une première unité là qui est sur Nantes. Et donc ce stockage va viser, elle est en dessous du pont de Cheviré. Okay. Et donc ça vise à réguler le réseau hein, de la même façon entre sa consommation et sa production. C'est une batterie qui fonctionne en permanence pour faire du réglage. Et donc okay. on va déployer d'autres unités dans les années à venir. Ok, merci beaucoup Bénédicte, merci Léo, beaucoup. D'avoir été avec nous. Et quant à nous, on va se retrouver très prochainement pour un nouvel épisode de votre web-série, je le disais, préférée. Et j'espère qu'elle le restera encore longtemps. Portez-vous bien, prenez soin de vous, à très bientôt. Bye bye. Je vous conduis, vous a été présenté par le CIC Ouest.